Salut YouTube, bienvenue pour une nouvelle session de Yet Another Zombie Survival Wanna Get This To Fly. Alors là, il y a un truc là. Non, c'est pas la pause, il n'y a pas le temps pour la pause là. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste des trucs à faire. Hein. Moi j'ai envie de faire un sub 40 là. Je veux faire sub 40. Et on serait parti pour un petit build tanky. De tankiness. Endless. Toujours pas de nouvelles... ouais non. Ok, allez c'est parti, on n'entraîne pas. J'espère que tu vas bien YouTube en tout cas. On va tenter ça. Le but du jeu est de trouver déjà des ennemis. Allô? Ah. Alors. Energy Shield 10 direct? Non. Contre l'électrocution, c'est bien. De temps en temps, là, ça fera... Oui. Bon, allez, on va augmenter un peu notre capacité de destruction. Évidemment, le shield est important. Hein. C'est même... Ça va être une... dire un élément maître de notre build, mais bon, pour l'instant il est plus intéressant d'avoir je crois que c'est le pilou, je crois, qui nous proposait également de prendre l'ingénieur avec le laser. Peut-être qu'on peut faire ça d'ailleurs, et il me proposait aussi de prendre le SWAT avec le sniper. Alors que le sniper, c'est de la merde. Mais peut-être pas tant que ça. Peut-être qu'en endgame, le sniper s'est craqué, je sais pas. Défi sub 40. Oh! C'est sub? Attends, sub, on dit sub ou... Parce que sub, c'est dessous ou en dessus? J'ai un vieux doute. Ah, sniper sur les boss. Ah, peut-être, ouais, peut-être. Ah, ça vaut le coup d'essayer. Ah, je sais pas ce qu'on fait alors. Non, attendez, je sais pas trop si on prend lui. J'écris ce que t'as dit, hein. Je sais même pas de quoi tu parles, moi. Je veux faire au-dessus de 40, mais en général, quand on te dit sub 40, c'est peut-être en dessous. Puisque c'est du speedrun, en général, on va aller plus vite, donc je crois que ça marche pas. Ah, le skill cooldown. C'est bien, ça. Ça marche pas du tout, en fait. Ok. Donc... Est-ce qu'on prendrait le tank? Non, le SWAT. Ouais, non, hein, je dis au-dessus. Vous avez tout compris. Ouais. Non, mais moi, c'est ce que je voulais dire aussi, mais peut-être que je me gourre dans ma manière de présenter les choses. Bon, on va peut-être aller chercher un poteau parce que bon. Incroyable. Le shield du plaisir. Toujours plus de shield du plaisir. Bon, qui c'est qui on va... Si tu regardes, soit tu perds tout, en effet, bon pilier de barre en jouant juste pour perdre et pas gagner plus. Personne t'a suivi. Quoi? Oh my god. Attends. Ah, pour les points de chaîne. Alors attends, le ghost. Ah, yeah, attends. Nous, on veut quoi? Ingénieur. Ingénieur, SWAT et médic. On prend
prend la médic, mais le médic fait pas beaucoup de dégâts. Hein, alors que le ghost peut-être. Je sais pas, je suis pas convaincu. On va mettre le shield au max. Bon, par contre, on ne tue personne. Hein. Enfin, on ne tue pas les boss, quoi. Bah, le médic est fort, mais il fait pas trop de dégâts. Il faut quand même qu'on arrive à faire des dégâts. Ou alors, on fait ingénieur, médic et SWAT avec le sniper. Il faut quand même faut faire des dégâts, quand même. Hein. Par contre, le... Qu'on appelle ça ? Le shield, il vient pas assez souvent. Hein. Ça me bat pas, cette histoire. De l'argent. Ah, direct, déjà. Peut-être le médic. Ouais. Peut-être un petit médic SWAT. Médic SWAT. On va aller voir. On va voir ce qu'il nous propose, là. Il nous propose de mourir. Ah ben... Bon ben... Quoi, votez là ? Vous avez voté, bande de... Non mais t'énerve pas comme ça, Morty. C'est pas grave, laisse-les faire les gens. Laisse-les faire. Bon, médic ou SWAT ? Je dirais que SWAT d'abord. On part SWAT, sniper, et médic et... C'est... Coucou Pilou. Ah bah... Ok, d'accord. Ah, je pensais faire donc ingénieur, SWAT et... Ah, le tank, toi tu prendrais le tank. Pas le médic. Bon, en même temps c'était ça l'idée. Hein. C'était l'idée du... C'était l'idée du comment dire, d'être plus tanky quoi. Peut-être vraiment faire un truc... Mais pas le médic donc. Oh, il y a 3 rouges là, c'est beaucoup. Non, médic sert à rien, à partir de 38 minutes, les ennemis one shot. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc toi tu disais... C'était toi qui me disais ça sur YouTube, hein, sur un commentaire sur YouTube. De partir sur un sniper. Avec le sniper. Si tu gagnes et qu'il y en a qui vont toucher le gros lot. Ah ouais, c'est vrai ? Oh putain, c'est beau. Ok. Sniper avec ingénieur laser. Le laser ou les bouboules là ? Pling, pling, pling. Par contre, si tu votes, il faudrait trouver un autre modo pour clore l'après-dit. Ah ! Vas-y, t'as voté. Attention, le laser. Ok, laser, sniper. Et pour le tank, tu mettrais quoi, toi ? Et pour le tank, du coup, le... Le lance-roquette ? Tank minigun, ok. C'est pas ce qui... Ouais, si, oh. C'est ce qui le fait le plus de DPS, ouais. Ça me va. Et du coup, on maximise les... ouais, mais après, il me faudrait quand même un peu de vol de vie ou des trucs comme ça, non ? La vérité. On va prendre un peu les grenades, de toute façon, on va tout augmenter. Hein. Et il te faut de l'XP aussi. Si on peut avoir l'XP, là, ce serait pas dégueu. En vérité. Aïe. Non, on va pas mourir là-dessus. Par contre, on a aucune régène. Hein. Faut tenir jusque-là, après. Hein. Merde. Non, mais voilà, quoi. Je fais un message Discord vocal pour expliquer les 42 minutes, ce sera plus simple. Non, non, mais juste ça. Après, non, c'est pas grave. Il faut que je découvre pas moi-même. Je vais pas être non plus trop... Ah, skill down. Cool. Ah oui, si, ça, c'est bien. Après, le damage, c'est pas mal, mais... Si on peut avoir un bouclier continuel, c'est quand même fort. Et là, par exemple, il revient pas. Lifesteal. Lifesteal chance, peut-être. Hein. Histoire d'avoir un petit peu de régène, quand même. Même si au bout d'un moment, ça sert plus à rien, ouais. C'est ce que tu disais. Ah ouais, peut-être qu'il faut pas que je prenne ça.
On va voir, on va voir. Je vais tester des trucs. Il faut 50% de skill down en moins. Eh oui. Là, on est à combien? Skill cooldown 62%. Ça te fait 4 tourelles permanentes et le bouclier permanent. Ah ouais. Et presque il faut plus bouger après ou juste éviter les bouboules quoi? Ok, on va essayer de trouver le tank là du coup. Intéressant. Ah, on n'a pas le tank. J'ai pas envie de reroll, pour l'instant c'est pas nécessaire. Ah, les tourelles. Restez au milieu de la map. Ah, après tu bouges plus, ouais. Tu essaies d'éviter au maximum les... La 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 la. Et là, faut pas tuer le boss. Ah merde, dommage. Juste éviter les gros qui arrivent en courant. Ah, le sniper. Oh, toi, tu dis que c'est ça, ok. Là, faut la méga vitesse d'attaque en vrai. Donc là, je file sur les boss. Et eux aussi, ils filent sur moi. Je suis pas convaincu hein, du sniper en vrai. Je me demande si le assault rifle c'est quand même plus fort hein, je crois. Alors faut vraiment faire du critique quoi. Parce que là on a aucun qui font du crit. Et si possible 12% de vol de vie. Ah bah oui bien sûr. Récupérer les super speed ou les invincibles quand tu vas chercher les caisses. Oh, ouais ouais faut vraiment gérer le truc hein. On était pas loin la dernière fois en vrai. On va prendre des grenades un peu. Oh! Ah, c'est fort ça! Ah ouais, mais là, le lifesteal chance. Ah, Vampire Survivor, j'ai pas le choix. Mais ça, c'est fort, hein. Guarantee a level up when gaining a training point. Franchement, ça se vaut ça. Mais. Non, ça ouais, mais ça va être. La lettre. Lifesteal, la lettre. En fait, la lettre va nous aider jusqu'à un certain point. Après. Après ça nous aidera plus, ça nous pimpera plus. Et on va gagner beaucoup de points avec. On l'a vraiment très tôt là. Ah, je sais pas. Je sais pas trop. Ouais, ouais, peut-être. Mais le Vampire Survivor, c'est très tentant. Bon, on va voir. On va tenter la lettre un peu. La lettre à mon bowling. J'espère que j'aurai du lifesteal après. I hope so. Même si l'idée de te vider me dérait plaît. Quoi? Quoi? Combien? Quoi? Quoi? Mais quoi? Quoi? Hein? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? On va essayer de sauver un pote. Le tank. Merci. Allez, c'est parti. Les crits aussi, c'est important, non? Videz-lui les poches! Quel enfer. Vous êtes des dingus, hein. Vous le savez, ça. Ah. Weapon damage et fire rate. Peut-être ça, c'est pas mal. Le premier est pas mal. Plus de vie. Je trouve pas ça fou. Faut du skill down, bah, genre ça. Pour le bouclier. Ah, j'ai préféré reroll. Je préfère... parce que le bouclier tout le temps quand même, c'est inévitable. Enfin, c'est indispensable, je veux dire. Donc là, ça diminue, on a combien? 52%. Ça suffit pas,
Il nous faudra un peu plus. Bombing Stride. Ah oui, le skill down, c'est ton first à chercher. Oui, il me semble aussi. Il nous en faudrait encore un autre. Encore une fois, je cherche juste le fait d'avoir le bouclier tout le temps. Après, c'est pas très grave. Fais voir. Il est là. Hop, ouais, il revient assez vite quand même. Donc ouais, il nous manque juste 5%, ça devrait le faire. Si j'ai un petit 5%, ça va. Aïe. Oui, Tesla, c'est bien. Je sais pas combien de temps on peut tenir en vrai dans ce jeu. Après, c'est one shot, hein. Au bout d'un moment, c'est one shot, donc... Fire rate, critical chance. Le fire rate est pas dégueu. Ah, la luck. La luck, c'est fort quand même. La luck, c'est si fort. Elle, faut la laisser en vie, elle. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Fais-nous tes sbires là, c'est parce que mine de rien les sbires ils nous balancent vachement de trucs. On peut prendre ça. Elle est morte? Ah merde, on l'a eu. Le bouclier, si tu te débrouilles bien, tu peux en avoir deux superposés pendant 4 secondes. Ah oui. Ah oui, parce que ça peut se cumuler. Je sais pas si j'ai amélioré mes... mon cooldown des skills. Ah ouh, ils ont pris cher là. Normal ça? Je pense qu'on gagne plus trop d'XP hein. Bombing strike. Vas-y. Boss là. Oh, c'était bien. Caisse là aussi. Allez, je pensais pas que ça pouvait se... Electric turret, c'est une dinguerie, il ne faut pas les minimiser. Ah non, mais de toute façon, on va tout prendre. Hein. À ma main donnée, on va essayer de tout prendre. Justement, c'est l'intérêt d'avoir la lettre. La régénération, quand on est en mouvement, régénération pour 10 secondes. Ah, l'XP modifier, j'aime bien. Ok, j'ai pas trop maximisé les dégâts là pour l'instant. Hein. Shotgun, peut-être ce serait pas mal aussi à un moment donné d'arriver jusqu'à la minigun. Pas mal les dégâts sur les boss, c'est pas fou mais c'est pas mal. Non mais, je les prends pas tous, bon c'est pas grave, en même temps j'en ai plus là, j'ai plus de luck. Et donc voilà, là j'ai gagné, là ça approc là. Ça approc là, la lettre. C'est fort quand même. Quand tu l'as assez tôt, c'est fort. Est-ce qu'il y a un bleu par terre là? Non. Allez, par contre, il y a une caisse là-bas. Ça me plaît. Alors, le laser, dis-tu. Ok, c'est parti, je te fais confiance. Et c'est bien parce qu'on n'a pas testé, je crois. Ce build ne me dit rien. Plus de tourelles. Les tourelles aussi électriques, hein, faudra penser. Hein. Ah.
ça prend pas en compte l'argent gagné quand tu ouvres une caisse verte. Donc si tu es à... Ah, tu veux gagner un niveau sans prendre le bonus de niveau. Ah, ça je savais pas. Ah ok, c'est le pognon que tu ramasses uniquement. Donc du coup ça c'est peut-être pas mal. Ça là c'est pas mal le modifieur de pognon. C'est vraiment des niveaux en plus. Ça c'est bien. Non. Non c'est pas bien. 10% c'est rien. Oui mais ça va un peu plus vite. Tu gagnes un peu plus de niveau. Ouais bon d'accord. Alors qu'est-ce qu'on a sinon? Plus de vie de base? Non mais c'est one shot au bout d'un moment. Ah c'est nul tout ça. Peut-être moins de régène puisque de toute façon c'est pas la régène qui va nous aider. Je reroll encore là. Ah, Vampire Survivor, ok. Et est-ce que tu sais ce que fait la patate? En vrai. Oui, la régène c'est important, mais bon. Je suis pas sûr, là... Je suis pas sûr que ça soit le plus important. Parce qu'au bout d'un moment, ça le sera plus. Autant essayer de tenir le mieux possible jusqu'à 35 minutes. C'est facile à dire, mais... Pour ça c'est rien, non c'est quoi? C'est une private joke des devs. De quoi? Ils vont l'enlever la prochaine version. De quoi? De quoi tu parles? Allez, 10% du pognon? La patate? Ah d'accord, ok ok. Ça fait vraiment rien. Mais c'est une private joke à Brotato? Non. Tu voilà, tu sais à quoi ils font référence ou pas? Toujours pas de minigun, non, il veut pas me le sortir. J'ai pas envie d'utiliser mes rerolls sur les armes. Ah, une caisse là-bas. Putain, mais finis-le-moi quoi. Je sais pas, c'est par rapport à un petit jeu apparemment où il faut... Des patates pour débloquer des quêtes, mais je ne connais pas le jeu. Ah ok. Allez, comme ça c'est fait ça, on parle plus. Ah, et voilà. On cherchait le skill down de moins. Mais voilà, comme ça là c'est bouclier infini. Non-stop le bouclier. Allez, est-ce que vous pouvez me faire des améliorations, s'il vous plaît, du tank, là? Et même s'il vous plaît pas. Il y a un mec à sauver, là-bas. Oh, j'ai si chaud. Mais putain, mais jamais, quoi. Bon, les tourelles. De toute façon, les tourelles vont être importantes. Il faut que tu te poses à un endroit fixe avec des tourelles augmentées au max. Et tu dois en avoir 4 en même temps. Bah là, pour l'instant, déjà j'ai un bouclier... Ah voilà, shotgun. Ça monte, petit à petit ça monte. Là j'ai un bouclier constant là. Si je vois bien. Ça aussi, comme ça c'est fait. Caisse là-bas. Quel bordel! Cooldown et skill damage. Critical damage, reroll. Non, vas-y, on va regarder le cooldown. C'est toujours utile, quoi qu'il arrive, hein, même si. Je trouve qu'on met pas assez de dégâts sur les boss. On devrait les tuer plus vite. J'ai l'impression qu'on fait pas assez de dégâts sur les boss. Peut-être qu'il nous faudrait des dégâts des armes. Ce
qui est vraiment pas dégueu, le dégât des armes, parce que le minigun va, va prendre le, l'amélioration, mais de plein fouet. Goulûment. Les tourelles, ouais. On a toujours pas de tourelles électriques quand même, on va peut-être mettre les tourelles électriques un peu. Il est où Jean-Jacques? Là. Hop, comme ça les grenades c'est fait. Les tourelles, vas-y. Hop, les tourettes. C'est bon. Aïe. Il n'y a pas de aïeux qui tiennent, hein. Au-delà de 35 minutes. On part peut-être avec le médic et encore. Dommage parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de. De persos qui augmentent la durée, les PV max. Oui, j'ai un vrai métier, oui. Ne vous inquiétez pas, c'est bon. Oui, les chances de lifestyle, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, le... C'est bon, on a le nouveau... on a le fusil à popon amélioré. Aïe. Oh putain, j'ai pas pris un dégât. J'ai pas pris un dégât. C'est bizarre. Tant mieux, mais c'est bizarre. Pour l'instant ça se tient, et pour l'instant je meurs de chaud, voilà, c'est résumé comme ça. Hein. Ah y a mec là, oui. Oui, 15h on a dit, oh, ça sera peut-être un peu plus 15h. C'était un peu plus 15h15, 15h20 quoi, on sait très bien. Voilà, ça sera peut-être la seule run qu'on fera de l'après-midi, c'est possible. Hein. C'est possible d'ailleurs parce que... des rerolls... Ah, le fire rate. Peut-être ça, c'est pas mal aussi. Mais non, mais de toute façon, ça nous aidera pas. Alors que le weapon fire rate, c'est pas mal du tout. J'ai eu la clim aujourd'hui au cabinet. Non, je suis pas au cabinet, mais hier, ouais, je l'avais. Heureusement, la clim marchait. Elle a marché l'après-midi. Parce qu'elle était pas, en marche le matin. J'ai eu des sueurs juste en y pensant. Allez, un petit coup... Pour le sniper, voilà, c'est ce que je me suis dit, c'est exactement ce que j'allais dire, Pilou. Mais tout est super important en fait. Tout est super important. Est-ce qu'il y a des objets qui augmentent la probabilité d'avoir des caisses? Ou le drop de caisses? Ou c'est... c'est le temps. C'est quand t'as une caisse à 2 minutes, à 10 minutes, à je sais pas combien. Ouais, bonne nouvelle, ouais, t'as, oui, ça c'est sûr. Hein. Je peux t'assurer que c'était la meilleure des nouvelles de la journée, hein, hier. Sinon, c'était mort. Hein. Bah, hier, j'avais clim et ventilo en même temps, parce qu'il faisait tellement chaud. Les mines, t'as tellement de choses aussi à prendre, là. Je sais pas du tout, mais plus tu vas vite les chercher, plus vite elles apparaissent. Elles se cumulent pourtant. J'ai déjà vu plusieurs fois, c'est déjà arrivé que des caisses soient... qu'il y ait deux caisses sur le champ de bataille. C'est rare que j'en laisse plus de deux quand même. Bah, c'est même rare quand j'en laisse une tout court. Mais parfois la flèche jaune, elle est dans la barre d'XP, qui est jaune elle aussi, et du coup, je la vois pas. Parce que je suis sur une zone comme ça, et puis... Ah, il est mort, d'accord. Ah, le minigun. Voilà, là on discute. Ah, la lettre, c'était le bon choix, je pense. En tout cas, ça nous amène quand même beaucoup de... Beaucoup de dead, hein. Beaucoup de niveaux, là, gratos. Life 3% de life chance.
Toujours plus de life chance. Life steal chance. On fait des dégâts mais pas non plus de dingus hein. Ça a changé le mode zombie de Black Ops. Ah c'est pas loin hein. C'est pas loin d'être ça remarque hein. Salut Mouk Mouk, ça va? T'as encore beaucoup d'améliorations générales à mettre des points verts. Oui quand même pas mal hein. J'ai pas fini en tout cas le tableau, il est pas rempli hein. C'est peut-être ce qui va m'aider aussi mais là on y travaille là. Surtout avec la lettre. Parce que là on est beaucoup plus susceptible d'aller chercher le pognon, ça nous intéresse plus. Vous voyez, on met quand même du temps à le tuer, alors qu'on a l'amélioration. Alors qu'on est, on est sous berserk quoi. Ah je sais pas. On va voir. Bon, en tout cas les 20 minutes maintenant c'est easy hein. Milligan. Ah oui, c'est vrai que Morty t'a offert un petit sub. Voilà, voilà. Allez, un game changer là. Mais non, c'est de la myrte. Ah, à weapon damage, ça, ça me plaît. Pour le minigun, c'est très fort. Il faut améliorer les skills. Les skills, je suis écroulé. Quoi ? Je me suis écroulé sur ton stream. À mon réveil, j'avais la notif. Et c'est le jour où je rentrais du travail de nuit. Ah oui, d'accord, ok. Tu m'étonnes. Ah, travail de nuit, c'est chaud. Hein. Aïe. Que se passe-t-il? Qui m'appelle? Ah, c'est pas le moment, je suis au boulot là. M'en fous, vendredi, j'ai fêté mon 13e mois et aujourd'hui mon 4e. 14e, je veux dire. C'est fou. C'est fou ça, quand même, ces calculs. Hein. On sait pas trop. Ah merde, je suis passé à côté de Jean-Jacques. Les blades, pourquoi pas. Allez, on met du temps à le tuer là. Ça ira pas là. Ou alors, il faut vraiment rester sur place et avoir toutes les tourelles. Mais il faut que je puisse récupérer du pognon quand même, sinon ça marchera pas. Ok. Skill cooldown et weapon reload time. Oh. Ah, le fire rate quand même. Ouais, vas-y, fire rate. Ah, je sais pas, peut-être le cooldown était mieux. Ouais. Ah, je sais pas. Ah, les deux sont inutiles. Les deux seront utiles de toute façon. Quoi qu'il arrive, c'est pas. Je peux pas avoir fait un mauvais choix en prenant le fire rate. Oui, c'est ça, le fire rate. Et c'est vrai que le rechargement, c'est pas mal là. Si tu arrives au milieu de la map, sur la bouche d'égout, tu peux bouger uniquement pour aller chercher les caisses. Ah, peut-être, hein. Je sais pas. La 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 la. Les tourelles. Je crois que l'hélicoptère c'est vraiment pas la priorité. Il y a des trucs plus intéressants à prendre.
On a fait la moitié. La moitié du chemin. Ça va être chaud quand même. Hein. On va pas se mentir, ça va être chaud. Hein. Faut au moins les tourelles électriques et les tourelles boucliers au max. Ouais. On va pouvoir rester un peu sur place quoi. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Allez, ça c'est fait comme ça. Ah, de la régen, skill damage. Tant pis pour la régen, hein. Et ne vraiment plus bouger du tout, du tout. Vraiment. Moi je serais tenté de bouger quand même. Clic gauche avec la souris. Comment ça, clic gauche? Quoi, clic gauche avec la souris? Je vois de quoi tu parles. I don't understand. On aurait pu bouger. Ah oui, oui. Bon, ça fait rien. Mais on aurait pu bouger, il suffit juste que je bouge plus, je touche plus à rien. En théorie, c'est bon, non? J'ai l'impression qu'on fait pas assez de dégâts quand même, il n'y a pas assez de crit. Ce qui nous avait fait tenir quand même les 30 minutes, c'était qu'on faisait tellement de crit souvent et que ça les... ça tuait tout le monde très très vite. Le laser, c'est pas mal, je crois. Hein. Peut-être mieux que les boubous, là, en vrai. Contre les boss, c'est pas ça. Tu peux même aller te fumer une clope, normalement jusqu'à 38 minutes, tu n'as plus besoin de toucher la manette. Putain. Trop fort. Sauf que je fume pas, comment je fais? Est-ce que je peux me prendre un petit Mars? Ah non, mais non, faut que je perde du poids là. Trop gourmand. Hein. Chiant. Aïe! Vous voyez, il met Mila à tuer, il fait Mila à mourir là. L'étoile. Les tours électriques. Le sauvetage des tours électriques. Avec les Mars, je crois. Tu vas demander au dev. Va voir avec les devs, ouais. Il y en a un qui va perdre tous ses points et qui va plus dire que c'est de ma faute. Tu vas en plus dire que c'est ta faute. Évidemment que c'est de ta faute. Allez, plus souvent des. J'ai plus de vie. Ah mais elle remonte pas, c'est vrai qu'elle remonte pas. Ok, bon, on va arrêter de faire le Kekos là. Hop, il y avait un boss. Ok. Pour l'instant, je peux quand même me permettre de bouger. Il faut plus de tourelles. Il faut plus de tourelles. Et merde. Je voulais pas prendre le deuxième membre. L'aimant là, le dernier. Il a popé sur moi. Je vous jure, il a popé sur moi.
Avec les skills, tu vas voir, tu vas tuer les boss en 1 ou 1 ou 2 secondes max. Un hélicoptère. Ah oui, non, mais je suis con. J'étais en train de me dire, mais je connais pas ça. Donc ça, ça marche pas, du coup? Bah si, pourtant. Ça compte, cet argent-là, non? Mais bon, on va maximiser tous les dégâts, là. Tous les dégâts possibles, on les maximise. Hein. Donc là, on a plus que ça à augmenter? Ah... Pas mal du coup. Ah, y'a un boss là. Ok. Pour l'instant ça tient 27. Ok. Après skill damage à fond, skill cooldown encore un peu, crit était good. Bien sûr. Easy. Easy tout ça. Voilà, j'ai pas vu, j'ai pris des dégâts à quel moment? Faut dire qu'on comprend plus rien là. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Parfait. Magnet range, non? Ah, lifesteal, oui. Vampire Survivor, oui. Quoique, maintenant, ça sert plus à rien, non? Mais meurs! Toi, il met trop de temps canné, quoi. Il est pas un mec, là? J'ai eu mon level. Ah oui, d'accord, j'ai pas fait gaffe. Ok. Je comprends rien. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. J'ai pas assez de dégâts là. C'est les crits qui manquent. Et ouais, et le sniper, je suis pas d'accord, hein. Je suis pas sûr que ça soit... Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment... Critical damage... Non, vas-y. Fire rate... Ah! Ça, c'est fort aussi. Mais c'est pas mal, mais c'est plus trop intéressant. Movement speed et fire rate... Est-ce que ça, c'est pas mieux, ça? Le duct tape est pas mal, non? Avec le sniper, là, qui met du temps, le minigun aussi met du temps à recharger. Donc il y a moyen, quand même. Et le laser aussi, je pense. Ah, je dirais que oui, je dirais plutôt là-dessus, ouais. J'aurais préféré autre chose, mais sur les trois, là, ça me semble être le plus judicieux. On va pas tirer continuellement, mais presque. Quelle chance, c'est peut-être un peu plus de crit là, il me faut des dégâts. Hein. Ah, je sais pas là. Un scooter peut-être. Critical damage, 5% c'est pas fou mais... On va partir sur les 10% ici mais... Il faut des dégâts à un moment donné. J'aimerais bien avoir 10% de critical chance. Je sais plus ce que c'est l'objet mais... Peut-être trop demandé. De se soigner, je sais pas, on sait pas.
Hey, ça met trop de temps là. Je pourrais pas rester sur place quoi. Donc j'ai l'impression qu'ils sont moins ralentis qu'avant dans le bouclier, non? Les boss, je veux dire. Peut-être qu'ils le sont pas du tout quoi. Mais si justement quoi? Toutes tes tourelles vont se mettre, tu n'auras plus rien à faire des zombies, juste du boss qui court. Si tu te poses au même endroit. Ah oui, oui, bien sûr. Ok, ok, pardon. Donc là, on commence... Ah, on est déjà à la 30. On est déjà à la 30. 30e minute. Okay. Après, je vois pas tes skills là. Je me rappelle plus de ce que t'as amélioré. Bah là, j'ai tout amélioré. Hein. Ah, mes items là, tu veux dire? Tout ce qui est items? Là, tout est amélioré à fond. Tout est à 5. Et après, on a du damage. On a du damage. On a du reload time. Il y a du Vampire Survivor, on en a 3. Ce qui est pas mal. Donc ça nous amène à lifesteal chance. 13% de lifesteal chance avec 5,5. C'est pas si mal ça. Du fire rate, il y en a 2. Fire rate et weapon reload time, il y en a 2. Il y a un peu de luck, un peu d'XP modifier, mais du coup ça sert à rien. Mais au début quand même ça permet de... Il manque les crits, ouais, je pense. Et skill damage aussi à 10%. Donc ouais, non, c'est pas mal hein. En vrai c'est sympa. Je suis assez d'accord, ouais, les crits et ça devrait le faire. Par contre, on ferait pas assez de dégâts du tout, hein, ça va pas ça. Je suis pas du tout d'accord avec moi. Hein. Au secours. On va aller chercher la caisse. Du compas. Ah, ben voilà, les critical chance, 10%. Et là, il faut espérer en avoir plusieurs. Oh putain, il y a le boss. Il arrive tellement vite. Dans le doute, je sais pas si j'ai pris une cartouche ou pas, non. Au secours. La 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 la. Les caisses, je veux des caisses s'il vous plaît. Oh là là, je prends des dégâts là. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, mais putain, c'est pas possible. Je fais pas assez de dégâts sur les boss, je le sentais. Je sentais que je les tuais pas assez vite. Voilà, j'aurais dû rester sur place. Non! Non! Ah, c'est terrible! À mon avis, c'est parce que ils sont éparpillés sur la map. Et oui, 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 c'est ça. Mais comme je reste pas au même endroit, j'aurais dû essayer. Là, j'allais me dire, allez, prochaine caisse, je reste sur place. Mais j'ai peut-être attendu trop longtemps. Ah là 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 là. Dommage, arrêtez de me taper dessus, je suis mort, c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts? Ah, le sniper a fait mal quand même. Hein. Ah, finalement le minigun est arrivé tard. 26 minutes. En 14 minutes, ça fait plus de dégâts le minigun. Hein. Putain. Ah mais oui, vous avez gagné plein de pognon. Excuse-moi d'avoir douté, Serda. Ça dépend pour qui. Ah, dommage. Merci à celles et ceux qui ont cru en moi quand même, malgré tout. Ah ouais, c'est bon, tais-toi. Ah là là. Ah, par contre, on a gagné 23 points, ça c'est beau.
Ça c'est beau. Peut-être qu'on sera suffisamment OP. Il nous reste plus trop grand chose. Déjà on a toutes ces lignes. Ah non, pas tout. Hop là. Et ça là. C'était quoi? Ah, les habilités en plus de damage. On n'avait pas ça à fond. Ah ben, j'ai plus de points. Ah comme ça c'est fait. Ok. Mais je sais pas si... moi je partirais bien, vous voyez, sur un petit... Minigun est bien pour les zombies, mais les snipers pour les boss, c'est fou. Bah, minigun zombie, c'est vrai que c'est pas mal. J'allais dire, il faudrait sniper et fusil d'assaut, mais c'est le même. Et je me demande si quand même... c'est les trois, là. Après, tu peux changer le tank pour la Huntress, pour les crits. Bah, c'est ce que je pensais, ouais. Mais elle fait moins de dégâts. Elle fait moins de dégâts que le tank, en théorie. Donc ce serait... Et là c'est un peu tard. Ah c'est con, on est... Il y a un quart d'heure là, il y a un quart d'heure qui va pas. Ah dis donc, c'était chaud quand même. C'est intéressant. On a fait combien d'ailleurs? J'ai pas vu. Son petit singe est très pratique, et ouais. Et c'est vrai que ça... Je pensais plutôt partir... Moi, attends, c'était quoi mon build de départ? C'était... ingénieur... Huntress et SWAT, j'hésitais entre le SWAT. Peut-être le SWAT et le... Ingénieur, Huntress et même le ninja en vrai. Deux cas quand même, hein, GG Sardou, hein. Bravo. Hein. Et on va voir. Oh que oui, waouh, non, impossible. Ah bah super. Hein. Bravo. Bravo d'avoir cru en moi là, ça c'est beau ça. Merci à celles et ceux qui ont cru en moi. Alors attendez. Voilà, on se fait une petite run en hard mode, mais là maintenant ça y est. Donc plus qu'un perso. Les tourelles peuvent faire 4 à 5 millions de dégâts par partie. Ah, plus qu'un perso. Ah ouais. Ah ouais. Akiro, merci. C'est toi qui as cru en moi ? C'est beau. Ah là là. C'est 10 minutes. C'est dommage qu'il n'y ait pas un mode endless, mais ça on l'a déjà fait. Je veux dire, le mode hardcore, ça n'a plus trop d'intérêt, non? Voilà, avec un seul perso? C'est possible ça, vous pensez? Vas-y, on va essayer. Qu'est-ce que j'ai pris comme perso de base? Attendez. Ah mais parfait, c'est celui que je voulais. Allez, j'essaye juste ça et puis après j'y vais. C'est 10 minutes. Est-ce qu'on peut faire un hardcore avec un seul perso? C'est la grande question. Il est téméraire quand même, vous voyez, il fonce sur les zombies lui. Il a pas peur. Hein. J'ai essayé mais je sais pas si c'est possible même tout upgrade à fond. T'es pas arrivé ouais toi? Allez c'est rigolo quand même. On essaiera le 40. Hein. Peut-être vendredi, je sais pas, on verra. En fonction de... Je sais plus trop ce que j'ai prévu. Pour ceux qui suivent assidûment, il a déjà débloqué toutes les quêtes. Normalement oui. J'ai débloqué tous les trucs de perso normalement, c'est ça? C'est qui assidûment? Qui est con? C'est quoi les quêtes annexes? Il y a les quêtes annexes? Quoi? Comment ça? Ah oui, pour les trophées, c'est ça? Faire voler 10 zombies ou survivre seul 10 minutes. Ah non, j'ai pas fait ça. J'ai pas trop suivi, hein. J'ai pas trop cherché à faire ça. Très pratique, ça débole des skills. Ah!
Oui, j'ai vu quand on avait gagné en solo, on a débloqué un truc, ouais. Ouais. Là, par contre, je vais prendre le assault rifle, y a pas photo, hein. Si je peux imaginer finir 10 minutes... Oh, mais 10, je me rappelle que le mode hardcore... On l'a pas, oui, on l'a passé le mode hardcore, mais... On l'a passé à 3, c'était... C'était déjà bien, bien tendu. Putain, j'ai fait des zizous, là. Petite zizou, là. Ah, dodge sense. Pas mal, dodge sense. Pas mal, le dodge, parce que... Ah, si, c'est pas mal. Ah, peut-être le ninja peut y arriver avec du dodge de base. Supplémentaire. Bon, là-bas, c'est des levels. Le Dodge Chimps. Tourelle. Comme ça c'est fait ça. Ce qui n'est pas dégueu hein, en soi. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Bravo Zach. Continue. Fait. Peut-être l'hélico pourrait nous aider un peu. Arriver à suivre la trajectoire de l'hélico. Ah là c'est zizou là, là c'est zizou time. Hein. Aïe. Par contre on a aucune régène quoi. C'est déjà tant d'axe. Mais du coup j'ai pas d'hélico du tout. Je l'ai pas débloqué. Voilà. Allez comme ça c'est fait. Critical chance. C'est pas mal. De visser de la merde. Passer de la merde. Non. Il y a des fois, quand t'es en slip, t'es content d'avoir ça quand même. 13-3 PV, t'es là. Sûr ouais, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah putain, il y en avait un autre. Hop là, soigné. C'est 4 minutes et on est déjà submergé. Oh allez, ok ok oui. Oh le pognon. Il y a trop de temps à recharger aussi là. Hop là, utilisation de l'hélicoptère à son baroxysme. Ouais non, ça va pas le faire. Ah c'est bon, ça va le coup, ça va le coup. Je sais même plus ce que j'ai pris. J'ai pas regardé. Il y a peut-être mieux à prendre, je sais plus ce que c'était. Aïe. Non, je vais pas mourir comme ça, pas comme ça.
Oh non, non mais c'est trop dur là. Hop là. Oh putain, oui, heureusement hein. Bien sûr, t'as qu'à foncer dedans aussi. Waouh. Waouh. Ok. Ouah. Ah c'est chaud quand même. Ah dodge. Ah quoique la luck aussi c'était pas mal. Et de la dodge, du dodge. Mais les tourelles, elles servent à rien là. Je reste pas sur place, mais je peux pas rester sur place. Là pour le coup, ce serait un suicide. Waouh, ok. Putain, je crois que j'avais pris des dégâts. Hop là. J'avoue, de la vitesse de déplacement, ce serait pas mal aussi. Ouais, je suis du doigt, du coup je glisse sur la manette là. Ah. Le heal de Wallward a été fixe, c'est vrai? Ah, j'ai vu une mise à jour tout à l'heure là, comment tu le sais? Ah, ça fait plaisir, bon ben, on y retournera alors. On retournera sur Wallward, c'est promis. Merci Isaac, merci pour l'info. J'ai vu tout à l'heure la mise à jour, je l'ai mise mais j'ai pas osé lancer le jeu. J'avais envie de faire un peu de zombie aussi. Il est vraiment bien celui-là. Allez, 7 minutes. Waouh. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. C'est pas bon, mais c'est bon. Oh, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Oh, pas là, pas là. Oh, je suis bloqué, je suis keblo. C'est la pire direction à prendre. Poussez-vous, j'ai pas assez de vitesse de déplacement. Ah non, non. Ok. Je boite matinal chez balle. Ah bah non, mais. Non, c'est trop chaud. C'est pas si loin, hein. En vrai je pense qu'on peut y arriver. Peut-être le ninja. Faudra essayer, on essaiera, on fera peut-être une session, on essaiera juste ça. Un jour, bon, c'était juste pour la petite dernière run du plaisir. Pour gagner 3 points, pour pouvoir mettre un point... Là. Non, là. Là. Non, là, là, non, là. Non. Eh ben ça sera... c'est quoi ça? Skip, upgrade? Non, ouais. You can banish, mais ça j'ai rien à foutre. Increase invincibility. Mais ça, moi, je veux bien. Moi, je vais garder mon pognon, alors. Ok, bon, YouTube. Merci, quand même. Que de challenge. Mais bien sûr, là, maintenant, c'est le challenge. C'est les challenges. Ah oui, d'ailleurs, achievement. Qu'est-ce qu'il nous reste? Survivre 10 minutes sans upgrade aucune arme. Ah. Ah. Plus de recycle. Recycle. Ah bon. Ça c'est quoi? Survivre 10 minutes sans utiliser d'abilities. Ah bon? Banish available plus 1. Ah oui, c'est fort quand même. Complete run in default mode with exactly two survivors. Ah oui, on n'a pas fait ça les deux. Avec deux. Ah oui, mais bon, pourquoi pas. Stress test. Ça c'est quoi? Une default mode. Ok. Stress test, ragdoll physique. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? It's raining man. Ok. Survive the night with the tank as a team leader. Ah bon, on l'a pas fait ça?
Ah bah voilà, bah du coup on va prendre tank et medic par exemple. Je sais pas où. Et on fera ça, ok. Ok YouTube, bon j'espère que ça t'a plu YouTube, en tout cas n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu évidemment, un abonnement avec la cloche si tu veux voir d'autres aventures et tout ça. Pour le ragdoll, il faut faire voler 10 zombies dans les airs. Ah, oh, il y a moyen avec le lance-roquette peut-être. On va essayer de tout faire en même temps d'ailleurs là. Lance-roquette, et on peut prendre le lance-roquette et la ranger avec ses flèches explosives. Peut-être ça peut être rigolo, on verra. En mode normal, 20 minutes, peut-être. Avec deux persos, ça peut-être passer. Ça peut être chaud quand même. Hein. Ouais, non, peut-être pas quand même. Je sais pas, on verra. Bref, en tout cas, YouTube, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à passer nous voir aussi. Enfin, un petit zibs. Je te dis à bientôt, YouTube. C'était Equilibrium. Nous reviendrons sur les terres des zombies, c'est sûr. Ah, bye bye.